Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers, congrès des économistes de la construction, Intec. Et j'ai avec moi M. François Asselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CPME et vous allez intervenir tout à l'heure dans une conférence ici, dans un atelier, sur la responsabilité sociale et environnementale des TPE et des PME. Mais avant, j'aimerais que vous nous présentiez rapidement la CPME et puis ensuite, on parlera de rupture. Écoutez, la CPME, c'est une organisation interprofessionnelle hein, qui marche sur ses deux jambes, à savoir les branches qui sont adhérentes de la CPME. C'est l'Intec en est l'exemple, hein, l'illustration. Et puis les territoires, c'est-à-dire que vous avez dans chaque département, dans chaque région, y compris dans les départements et régions ultramarines, vous avez une CPME avec ses adhérents et ses 150 000 adhérents. C'est 122 unités territoriales hein, dans chaque département, chaque région. On a pas loin de 200 branches qui sont regroupées sous notre, voilà, sous notre étendard CPME. Ce sont les entrepreneurs, les entreprises à taille humaine qui sont ancrées dans leur territoire. Hein. La taille moyenne de nos adhérents, c'est 23 salariés. Nous avons aussi bien des entreprises unipersonnelles, le chef d'entreprise tout seul, indépendant, comme de belles PME qui parfois ont plusieurs centaines, voire milliers de salariés. Mais ce sont des entrepreneurs patrimoniaux, ils sont à la tête, ils sont propriétaires de leur entreprise. Voilà, des entrepreneurs, des représentants des entrepreneurs. Exactement. Ici, donc, nous avons autour de nous des entrepreneurs et on a des entrepreneurs qui parlent de rupture. Qu'est-ce que ça évoque pour vous quand les économistes de la construction parlent de rupture ? Alors d'abord, vous savez, quand on parle de rupture, tout de suite, ça effraie. Parce que ça veut dire qu'on doit changer. Hein. Ça veut dire que le monde dans lequel on avance... d'un seul coup, c'est comme si on vous retire le tapis sous les pieds et il faut réinventer le monde de demain. En fait, quand on est chef d'entreprise, surtout dans une petite entreprise, finalement, on vit des ruptures quasiment quotidiennement. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare qu'un client vous lâche ou que, au contraire, vous arriviez à conquérir un nouveau client qui va vous demander de travailler peut-être différemment de l'habitude que vous aviez de travailler. Donc, les ruptures, en fait, elles sont permanentes. Maintenant, au niveau, effectivement, national, international, planétaire, et bien là, effectivement, on voit des choses un petit peu qui nous dépassent. Hein. On parle effectivement de la transition écologique, de la transition numérique. Mais regardez pour la transition numérique. Ce qui se passe avec les smartphones, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y en avait dans aucune des poches. Il n'y en avait nulle part. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, pratiquement quelle que soit la classe d'âge d'un être humain, il sait se servir de cet outil qui est notre boîte à outils permanente. Donc, des ruptures, on va continuer à en vivre. Et alors hein, c'est passionnant de vivre des ruptures, mais ça peut être effectivement éreintant. Pourquoi ? Parce que parmi ces ruptures, eh bien, il y a un phénomène d'accélération. Voilà, accélération des ruptures, en fait, il faut s'adapter, c'est l'adaptation. Exactement, c'est-à-dire que, et on est plutôt dans un pays où effectivement il y a plutôt une certaine réserve, sinon une réticence à l'adaptation, au changement. Hein. C'est toujours compliqué de se dire demain il va falloir faire différemment qu'aujourd'hui. C'est toujours compliqué de se dire ah, il faut que je me remette en question, que je me reforme pour changer mon modèle économique et faire en sorte que demain, économiquement, je sois encore vivant avec mon entreprise. Donc, ça, oui, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender, il faut bien le reconnaître. Écoutez, c'est pas non plus la mer à boire. C'est quoi. Pas non plus impossible. C'est pas non plus impossible. Alors aujourd'hui, là, vous intervenez sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, TPE et PME. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on a besoin de rappeler ce que c'est ? Quand on est une TPE, on ne s'y intéresse pas ? Ah, on s'y intéresse, bien évidemment qu'on s'y intéresse. Et bien souvent, d'ailleurs, les petites entreprises sont très vertueuses. Sans le savoir, vous savez, la RSE, ça repose sur... Déjà, je vais vous demander juste de redéfinir la RSE. Très voilà, ça repose sur trois piliers. Hein. Vous avez le pilier, la performance économique. Hein. On ne peut pas faire de RSE sans mettre de côté l'économie. Tout fonctionne ensemble. C'est un triptyque. Vous avez la performance environnementale, bien évidemment. Je n'ai pas besoin de l'expliquer ce que ça veut dire. Puis vous avez la performance sociale, finalement. Quelle est l'ambiance de l'entreprise ? Un petit peu ça. Hein. Donc, ces trois axes fonctionnent ensemble. Ils ne fonctionnent pas séparément. Et dans l'entreprise, d'autant plus qu'elle est petite, eh bien souvent ces trois axes sont travaillés au quotidien. Lorsque, par exemple, vous avez un contrat de progrès avec un organisme de prévention qui vous permette d'améliorer les conditions de travail dans votre entreprise. Dans la construction, vous avez l'OPPPTP qui fait très bien cela. Eh bien, vous faites de la performance sociale. Lorsque, par exemple, vous décidez de trier et de valoriser vos déchets,
vous faites de la performance environnementale. Hein. Lorsque vous faites en sorte que eh bien, les résultats de l'entreprise eh bien, puissent être partagés à travers un plan d'intéressement ou que tout simplement vous adaptiez les conditions de travail de vos salariés lorsqu'on traverse une épidémie comme nous sommes en train de travailler en ce moment, vous faites de la performance sociale. Alors, dans la petite entreprise, il faut bien l'avouer, c'est très peu souvent formalisé. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est que cette RSE, hein, c'est un engagement collectif. C'est-à-dire qu'il faut avoir une chaîne de valeur qui fonctionne sous, on va dire, les mêmes axes. Si votre fournisseur en amont, si vos clients en aval eh bien, ne prennent aucune considération de ces efforts que vous faites au quotidien à travers la RSE, eh bien, finalement, vous risquez d'être un petit peu seul à pédaler sur votre vélo, vous voyez. Est-ce que je vais avoir besoin de le formaliser en tant que petite entreprise ? Est-ce que c'est... Parce qu'en fait, on se dit, tiens, encore quelque chose d'administratif de plus. Et en fait, ce n'est pas de l'administratif. Alors, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Hein. Et donc, à la CPME, on a pris complètement le contre-pied de tout cela. Il y a presque 3 ans, c'était en décembre 2017, nous avons signé à la CPME avec l'ensemble des partenaires sociaux, y compris la CGT. Vous voyez, on est capable de faire des miracles. Hein. Tous les partenaires sociaux ont signé à la CPME une délibération sociale qui disait la chose suivante sur la RSE, qui disait que premièrement, la RSE doit être un acte volontaire et non pas obligatoire. Si vous mettez la RSE comme quelque chose, comme une obligation, surtout dans les petites entreprises, eh bien, d'un seul coup, vous tuez la RSE. C'est la volonté du chef d'entreprise. C'est la volonté et du chef d'entreprise de ses salariés également. Et de ses salariés. On emmène tout le monde. Hein. Deuxièmement, la RSE doit rester expérimentale. C'est-à-dire que si vous signez un accord RSE avec vos salariés et des parties prenantes, eh bien, vous devez pouvoir réviser cet accord tous les 3 ou 5 ans. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans les avantages acquis. On est dans un monde qui bouge. Et pouvoir revisiter un accord au bout de 3 ans, voire 5 ans, eh bien, c'est tout à fait normal parce que notre monde bouge et il faut pouvoir l'adapter. S'adapter aux ruptures. Voilà, s'adapter aux ruptures, exactement. Et puis, troisièmement, il faut que ce soit un engagement sectoriel. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul à avoir cet engagement vertueux, eh bien, vous n'êtes pas récompensé de cet engagement. Il faut encourager les vertueux. Imaginons demain, je prends un secteur que connaît bien l'Intec, la construction, hein, que vous mettez par exemple en place un label sectoriel vraiment lié à la construction qui fasse en sorte que l'ensemble d'un secteur eh bien, s'engage sur ces 3 piliers hein, sans rajouter l'administratif. L'OPPTP existe, ces contrats de progrès, il suffit tout simplement de les inclure, de les formaliser dans les RSE. Il ne s'agit pas de refaire ce qui existe déjà. Oui, Calibat peut être très bien, là aussi, sur le pilier qualitatif, qualité, eh bien, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Donc il ne s'agit pas de refaire ce qui existe déjà, mais tout simplement de le formaliser. Et si demain, c'est un avantage concurrentiel d'être labellisé RSE, eh bien, nous aurons réussi. Alors vous dites, et si demain ? Mais demain, ce sera un avantage concurrentiel et ce sera même quelque part une obligation. Alors, il ne faut pas que ce soit une obligation. Ce qu'il faut, c'est encourager les vertueux. Si, par exemple, je suis labellisé RSE, c'est un petit peu l'idée qu'on défend à la CPME, et que mon label, tous les ans, je l'envoie à la directe sur mon territoire, à la DREAL, si j'ai une question d'environnement, ou à la DRIR, hein, et que sur un champ référentiel, je ne sois plus contrôlé. Qu'on ne vienne plus regarder si j'ai fait mon plan égalité homme-femme, si j'ai fait mes entretiens individuels depuis moins de 2 ans, ou mon plan senior. Ça serait quand même pas mal. Ça ne coûte pas 1 euro à qui que ce soit et ça vous permet d'être reconnu comme quelqu'un de vertueux. Eh bien, voilà ce qu'on défend. C'est-à-dire qu'il faut encourager les vertueux et non pas sanctionner ceux qui essayent de bien faire. Encourager le volontariat, ceux qui font bien. Exactement. Le message que vous voulez délivrer aux économistes plus généralement, si vous voulez leur en délivrer un. Oh, bah écoutez, on traverse une période qui peut paraître anxiogène parce qu'effectivement, chaque matin quand on se lève, on entend ou quand on se couche le soir, on entend les chiffres d'évolution de la pandémie. En attendant, vous savez, hein, on construira toujours, on va toujours avoir besoin de rénover, on va vivre, comme vous le dites, une rupture, c'est le thème de ce congrès. Eh bien, la rupture, elle est vraiment à la portée de main, elle est faite pour les économistes de la construction et pour tous les acteurs de l'acte de construire. Donc, ne soyez pas inquiets, vous êtes parfaitement dans le fil de l'histoire. Voilà, c'est le message aux économistes. Exactement. Ne soyez pas inquiets. Merci d'être venu le lire sur le plateau de Bâti Journal TV. Et c'est une émission donc à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire, l'Intec. Merci à vous. Merci.